Hein, le monde part en couille. Non. Salut. Tu en penses pas? Quoi, ça joue? Maman, c'est l'autre. Hein? J'ai même pas fini avec les filles. Ouais, venez. Aujourd'hui, je suis avec ma grand-mère que j'aime tellement. Je suis venue à présenter un de mes chantiers car tout le monde. Vous allez voir ça tout à l'heure. Chaque jour, quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est la petite fille de 23 ans là qu'on appelle croqueuse de diamants là. Elle dit que celle qui est à côté là, à côté d'elle là, c'est sa grand-mère. Pas sa mère, sa grand-mère. Vous avez vu l'immeuble là, non? R plus 4 là. Elle dit qu'elle offre ça à sa grand-mère. Hey! Croqueuse de diamants, tu prends l'argent là où? Pourquoi est-ce que vous cherchez à savoir où je crée mon argent? Pourquoi vous voulez savoir d'où mon argent vient? Pourquoi? Pourquoi ça vous intéresse tant? Hein? Quand je travaille, est-ce que vous êtes là? Quand j'ai eu un travail depuis que j'ai l'âge de 16 ans, est-ce que vous étiez là pour me voir? Vous n'étiez pas là? Donc arrêtez. De chercher à savoir d'où est-ce que je prends mon argent. Ok? Ok, maman. Tu as eu à travailler depuis l'âge de 16 ans. Les autres se sont fatigués. Mais moi, j'étais dit que. Croqueuse de. Où c'est croqueuse de quoi là? Je suis avec toi, balle au pied. Le jour que la vérité de cette histoire va sortir, je serai toujours là pour dire aux gars que vous avez vu ce que je disais depuis, non? R plus 4 à ta grand-mère. Tu as 23 ans. Ta grand-mère, quand je regarde ta grand-mère là, elle a 70 ans, maman. Là, ta grand-mère que je vois, c'est que ta mère a quel âge? 35 ans. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ta mère a même 60 ans? Ta mère s'est seulement mis au monde à 10 ans. Bon, bref, ce n'est même pas ça qui est important. Maman, pardon, fais aussi une vidéo où tu es en train de travailler. Les jeunes te regardent, les jeunes te suivent. Chaque jour, tu es en train de monter seulement les dents. Tu nous dis, tu nous fais comprendre que tu travailles depuis l'âge de 16 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Montre-nous comment. Tu nous as jamais présenté comment tu es en activité, comment tu es en train de travailler. Tu nous montres seulement les dons que tu fais. Tu ne nous montres pas comment. Montre-nous alors comment tu travailles. Tu travaillais quoi? Bon, fais une vidéo où tu expliques ton parcours. Tu dis que bon, en telle année, je faisais ceci, j'avais investi là-bas, j'avais fait ceci, j'avais fait comme ça, je faisais comme ça, j'ai multiplié. T'es-tu que tu dis que on te donnait 10 000 francs, tu te battais pour que ça donne 10 000 machines, tout ça. Ça ne... Montre-nous que bon, vers une vidéo, tu pars dans tous tes sites où tu travailles. Tu dis que bon, ici, j'ai ouvert ceci, c'était en telle année. Je travaillais comme ça, je faisais ceci, je faisais cela. Après, voici celui qui m'avait formé, voici où je me suis formé, voici. Maman. Voilà ce que la jeunesse camerounaise a besoin. Parce que ce que tu fais là, c'est comme ça que vous faites toujours. Moi, je dis toujours que les jeunes qui sont en train de mourir, en train dans les réunions bizarres aujourd'hui là, ce sont ces rêves que vous les vendez là. Toi, tu fais croire aux jeunes que tu travailles de 16 ans à 23 ans. Donc, de 16 ans au Cameroun, sans sortir du Cameroun. Si tu étais même une benguiste, je pouvais encore comprendre que là-bas, certains benguistes prennent même leur argent. On ne sait pas. Mais, au Mboa, ici que nous, on connaît que c'est dur là, maman, tu fais que quel genre de boulot? Jusqu'à acheter une maison R plus 4 à ta grand-mère. L'autre jour, tu nous as présenté une autre maison. Tu disais que c'était ton chantier. C'était encore la fondation. Après, tu nous présentes l'école. C'est toujours pour toi. Après, tu nous présentes les instituts. C'est toujours pour toi. Donc, de 2016, que tu as commencé à travailler. Jusqu'en 2023, ça fait combien d'années, maman? 7 ans. En 7 ans, tu as tout ça. Tu as réussi à avoir tout ça étant au Cameroun. L'affaire ici, là. Chaque fois quand je tombe sur ce genre de choses, ma tête fait toujours un genre que les enfants regardent ça. Ils vont même prendre l'affaire ici comment? Ils vont voir la vie comment? Comment la vie est tellement facile? Oui, et ce sont des exemples comme ça que ceux qui sont là en train de dérouter les jeunes prennent pour les tromper, pour les... On dit que tu vois Coco de diamant, mais c'est normal. Si Coco de diamant a eu ceci, cela, machin, truc en 7 ans, c'est que toi, tu peux avoir le double de cela même en 5 ans. C'est comme ça.
explique donc ce que tu fais concrètement. Quel est vraiment ton business? Je connais, moi, avant d'être ce que je suis aujourd'hui là, je filmais dans les établissements, dans les écoles, des grandes écoles, plus que tu as, même les propriétaires de ces écoles-là, parfois même. Les grandes écoles-là, il y a plusieurs actionnaires même dedans. Mais tu nous fais comprendre, c'est ton école à toi. Même ceux qui sont propriétaires ne font pas ce genre de dépenses à tort et à travers. Et tu viens tromper ton manager avec une brouette. Tu ouvres une maison de R plus 4 à ta grand-mère. Pourtant, le mois passé, tu as offert une brouette à ton manager. Le gars était aussi là, comme ça, il est content. On t'offre une brouette, tu danses quoi, mon frère? Un truc où c'était garé, mais où on a pu la tolérer, tu roules. J'ai vu quelqu'un là-bas, à l'ouest là-bas, il faisait la vidéo dessus que c'est cassé, le cinq tout fait, inversé partout. Mon frère, c'est vrai que tu avais la moto, mais. Bon, comme tu ne connais pas encore bien la voiture, je pense qu'avec le temps, tu vas comprendre vraiment que c'était la brouette qu'on t'avait donnée. C'est sympa, peut-être même la brouette est mieux. Bon, bref, il fallait quand même qu'elle t'achète une voiture digne par rapport à toutes les offres qu'on voit passer. Elle ne devait pas aller prendre un truc qu'on a cogné, mais que le Saint-O fait tout ça pour te donner. Ça, c'est mon point de vue. Mais qu'à cela ne tienne, je continue à dire que j'ai le regard sur toi, croqueuse de diamants. Oui, et les jeunes là. Les jeunes là, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Même Aïcha là, vous avez vu Aïcha au Cameroun, elle a même présenté son immeuble, machin, tout ça. Vous avez vu comment elle voit, non? Elle n'est pas venue vous montrer que c'est tout est facile. Rien n'est facile. Mais celle-ci vous fait croire que tout est facile. Oui, chaque jour on voit Aïcha au four, au moulin, en train de. Elle part par-ci, elle est dans les foies, machin, truc, elle vend ses huiles, elle crée les points de vente par-ci, par. On voit comment elle est au fou et au moulin. Et elle est sur les réseaux sociaux, on sait que ces plateformes, elle a les revenus sur ces plateformes. Mais toi, croqueuse, d'abord, je ne vois pas les contenus que tu crées. Ils sont peut-être que ça te rapporte assez de moyens. Ça, c'est un. Et de deux, je ne vois pas vraiment, tu ne me montres pas le business, l'affaire que tu fais pour que ça te donne autant d'argent que tu partages, tu. Bref, j'étais à l'œil. On sera toujours ensemble. Je serai toujours là. Les autres sont fatigués, mais je suis là. J'observe. J'observe. Et je vais observer jusqu'à la gare. C'était le général Franco. Je vous ai dit que la page est restreinte, les amis. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est croqueuse des diamants. Partagez la vidéo, les amis. Partagez. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro, mon studio, le studio de Franco Le Mignon, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos, venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousso, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.